Kmer. C'est comment? C'est le dé? Voilà, c'est le warman du terre à terre. Enfant du marécage qui vient de ce soir. Kmer, c'est comment? Bon, il fait ses petites vidéos pour parler du. Maman. Les cotons, mes soeurs camerounaises ont lavé le gars là. Quand j'ai reçu le sujet du gars là hier, j'ai senti que les nerfs vont monter. Quand tu parles du compteur des femmes, elles peuvent devenir folles. Seulement Facebook m'a dit ça atteint plus de 250 000 personnes en quelques heures. Que Facebook ça atteint, c'est grave, c'est le buzz. Dès que tu parles du compteur des femmes, la partie sensible, elle s'énerve jusqu'à. Oh, c'est quel critère ça? Oh, tu te prends pour qui? Oh, le gars dit dans son sujet qu'il ne peut pas présenter une fille qui a un binda beaucoup. Les filles se sont fâchées. Mais ce n'est pas vous qui avez des critères tous les jours pour nous barrer ici. Ce n'est pas des filles qui disent tu es trop cool, tu es sans papier, tu es étudiant de cours de langue, tu es beaux ailleurs, tu es pousseur, tu es bien siqué. Ce ne sont pas vos critères. Les hommes aussi ont leurs critères. Donc pourquoi les critères du gars qui dit que. Il n'est pas vu un gars qui a beaucoup d'ex, ça vous énerve. Il ne peut pas devenir un gars qui a des gars comme Bina qui connaît. Le seul truc que j'ai reproché au gars, parce que je lui ai dit ça derrière, c'est le fait d'avoir couché avec la fille, sachant qu'il va la barrer. Je n'encourage jamais cela. J'ai jamais encouragé cela. Je n'apprécie pas quand on n'aime pas une fille, il faut avoir des principes en disant la fille là ne me plaît pas, ou bien là les critères ne me plaît pas, je ne suis pas là-dedans. Le fait d'aller coucher avec elle, c'est du mauvais cœur, c'est encore de la blesser en plus. Par dignité, de la laisser. C'est ça là où je reproche. Maintenant, sur ses critères, pour sa mère, il a le droit d'avoir les critères. Personne ne peut dire qu'il est obligé de prendre une fille qui connaît ses aises et elle le présente à sa mère. En passant partout, les gars, tu as tiré à l'Angola, tu as tiré à Liverpool, tu as tiré à Manchester, tu as tiré en Écosse, tu as tiré là-bas, machin, truc là. C'est très grave. Donc le gars, pia, et ça énerve, et le gars réagit, il a encore réagi là. Les nerfs sont en train de monter. Mais sœur, je n'encourage pas ces choses, mais la fille aussi, de son côté, devait dire la vérité. Elle n'a pas dit la vérité. Elle assume aussi. Le gars a découvert qu'il y a ses deux ex en plus. Puis ces trois, ça fait cinq bangalas. Le gars s'assoit, il pense au bangala. Et après, les gars là ont des bangalas noirs, longs. Il dit, yeah! Je vais prendre sa mère à la maison avec les gars qui passent partout. Un peu une ancienne, elle peut taper encore un léger. Le gars dit, merde, il piaque. Et ça énerve. J'ai lu les commentaires, j'ai dit, yeah! Je comprends tout à fait les nerfs, mes soeurs. Je sais que les critères sur la barre, ça fait très mal. Je sais. Mais nous, les hommes, là, on nous insulte tous les jours. On m'a barré ici. Tu es sans papier, warman. Tu es au centre de Ngunda. Tu es un vaurien. Tu es un joueur de Mbappé. On a supporté. J'ai aussi mon retour. Eh bien, non, mes soeurs. En tout cas, je sais qu'il y a des gens qui sont venus à l'imposer. Warman ne poste plus les choses. Écoutez-moi bien, Camerounais. Ma page n'est pas une page de commande. C'est-à-dire, ma page, c'est du sang à l'esson. C'est le catégorie qui publie ce qu'il veut. Si mes commentaires ou un truc vous choque, quittez ma page. Arrêtez de venir me dire que ne postez pas telle chose. Vous êtes qui? C'est Waman du théâtre, ce n'est pas Waman de l'ONU, ce n'est pas Waman de la Sorbonne. Chez le Waman, c'est sans caleçon, c'est au sol. Nafodon, je mets à terre, on tape le commentaire comme au carrefour. Vous regardez, c'est un truc, il y a un professeur d'université qui va se mettre là. Bonjour, écoutez, franchement, la moralité, moi j'ai mon niveau du tatami. Les commentaires, ça vous énerve, vous évitez. Eh, non, bref. C'est les commentaires. Au PERIK de Londres, là, vous allez continuer votre petit chaufferie, là. Ça nous fait un peu de commentaires. Les gars bavards, les gars, il y a même les gars qui sont venus soutenir les récits. Je comprends les gars, je comprends le modèle. Que, il y a un gars qui a dit que le compteur, c'est quoi? Je peux te m'avifier qui a couché avec tout le Cameroun. Menteur. Quand vous venez écrire sur la page de Waman, vous écrivez avec le temps quoi, main. Pour faire que les femmes, vous venez écrire avec le temps. Quand un homme est en jachère, il écrit avec le temps quoi, main. Il peut dire les choses que lui-même ne peut pas faire. Il peut prendre une fille que tout le monde a couché. Menteur, paresseux, gigolo. Il ne faut pas mentir les femmes, il faut dire la vérité. La femme n'est pas comme un homme, la réputation d'une femme est importante. Un homme aussi, mais l'homme n'est pas comme une femme, puisque c'est l'homme qui dote. Le fait de dire que tu peux coucher, peux pas une femme, que tout le monde a couché, ça dormir, tu mens. Quand tu sais que tel a couché, tel a couché, tel a couché, tu vois les gars qui couchent, ils les gars te lapent quand tu passes. Et qui va, il va, on a tapé les pépés, versé le diabète, mouf, le mouboudma, la mimba, quoi. Il croit qu'il a une belle fille, la meuf, il y a une narlangala à crier là-bas comme un beau qu'on a égorgé, darcy. Tu vas être content? Tu bats le gars là. Laissez-nous ça. C'est pour ça que malgré les pages, certains pages qui encouragent les femmes de faire comme les hommes. L'homme tire, la femme tire. La femme s'exhibe, elle couche avec tout le monde. Ce n'est pas une bonne chose. La femme, c'est la pudeur. La femme, c'est la discrétion. C'est pour ça que la femme ne pisse pas dans la rue. C'est pour ça que les hommes peuvent pisser dans la rue. Parce que l'homme n'a pas le. Dans la vie, dans notre société camerounaise ou la société africaine, la femme a un socle important. La femme est plus importante qu'un homme dans le socle de la famille. Les femmes ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'une femme dérape, ça fait trop mal, ça détruit toute l'image. Un homme n'a pas un rôle fondamental. Nous, les hommes, c'est pour ça que vous voyez, une maman est plus importante à ses enfants ou un enfant trouve sa mère plus importante que son papa. Parce que le papa pisse partout. La maman, non. Donc, quand vous, les jeunes, vous dites que vous pouvez avoir un ex ici, David, Paul, Alain, 3, 4, dans une même ville, un gars voit, ça va tuer ta réputation. Sois discrète. Éloigne-toi. Discrète-toi. Le compteur n'a jamais été quelque chose que les gens prennent. Surtout les Africains. Les Africains regardent ça.
Même les mecs regardent. Il faut suivre ce qu'Alain Sora dit dans cette vidéo-là. Même les gars, mecs regardent. Quand un gars a trop chargé, les mecs, pia. Ils partent. Ils sont des mecs qui viennent par devant, ils vont par derrière, auto-reverse. Puis ils font mal à l'Asie, ils fuient. Ils fuient le compteur. Ouais, non, bref, c'est mon avis. Sur le théâtre, dans les commentaires. Donc ne venez plus vous énerver ou bien vous venez insulter le warman parce que c'est qui le warman. Warman, c'est qui? Les Camerounais, je vous dis, vous qui pensez que m'insulter me déstabilise, regardez-moi bien. Quand on insulte un homme qui est sûr de lui, un homme qui vient du sang caleçon, il n'a aucun complexe. Je sais ce que vous pensez quand vous êtes quand je vous énerve. Je vous dis, Wama, tu es un chien. Wama, tu n'es pas intellectuel. Wama est très sage. Je suis même plus fort que beaucoup d'intellectuels. Wama, tu n'es pas. Voilà. Wama, tu n'es rien. J'ai quand même mes miettes. Je suis un battant. Je suis un gars qui sort tous les jours. J'ai mes miettes. J'ai mon lit poil, les poids. J'ai ma vieille petite voiture. Je n'ai pas de humeur comme les footballeurs, comme les chanteurs. Mais j'ai un lit poil, les poids. Ça roule bien climatisé. Donc, arrêtez ça. Wama, tu es un gros porc. Oui, je suis gros. Regardez. Mais je suis sexy, j'ai les larges épaules, j'ai une bouche pulpeuse, je suis noir naturel, je suis grand, 1m85, en plus je suis banganté, noblesse, dignité, élégance et sans complexe. C'est un atout de charme dans ce monde perdu. N'insultez plus le warman. Il n'a aucune limite de complexe, tu vois. Non. Bref, moi tu vas quand même un peu. Moi tu t'as sujet à ta petite frère Ongre, Londres. Attends, enquête, tu vois que trois gars, tu vois que Vive le Cameroun, vive le 100% camerounais, on fait comme ça.